Ça va être très très chiant. Liliana Vess. L'une des plus grandes waifus de ce jeu. Voilà, ratifoïdien. J'ai le brocodonte. Et j'ai un chasseur à côte. Ok. Lustre lame de Malakir. Guerrier vampire, chaque fois qu'une créature, qu'un adversaire contrôle meurt, il gagne plus 1. Vache! Donc, créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force. On va faire ça. Et on va lui désinguer son monstre-là. Et alors là, on n'attaque pas. Lustre de lustre lame, c'est pas vrai. Bon bah j'ai une autre morsure en 1v. Vaut mieux que je désingue ce machin. Sauvage. Que fait-il? J'apprends mes tournées. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie à ce tour-ci, vous pouvez gagner plus 1 plus 1. Voilà. Pas d'attaque. Vampire sanguin, je l'aime bien lui. Ah, du calme, du calme, du calme, je... Le vampire sanguin, chaque fois qu'une créature blessée par le vampire sanguin... Chaque fois qu'une créature blessée par le vampire sanguin ce tour-ci meurt, alors ce tour-ci aurait été plus correct, mettez un plus 1 sur un vampire. Il est cool son deck. Là, le souci, c'est que si elle bloque avec ses rats, la créature, même si c'est une 5-5, elle meurt. Mais elle a le piétinement, donc elle perdrait 4 PV. Et ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. D'un autre côté, elle peut aussi utiliser le vampire. Allez. Allez, je m'en doute. Moi je me suis débarrassé de ces rats. Oh non, évidemment. Ça c'est une créature avec le vol, donc je peux rien faire. Du coup, la valeur sauvage. J'espère qu'ils se battent contre une créature que vous ne contrôlez pas. Ce sera pratique pour me débarrasser des rats qui restent. Mais il disparaît. Merde. Et là je peux pas me défendre. Oh le boulet. Oh le boulet. Ah non. C'est une 10-10. J'ai perdu. Oh le boulet. Le boulet. Le boulet quoi. Ça se passait trop bien jusqu'ici. J'ai du mal face au... Ok.
Le saviez-vous? Évitez d'attaquer ou bloquer. Merci! Vert contre noir. Je peux pas modifier le deck? Il faut que je finisse. C'est pas importé. Ah! Comment je l'ai feinté? Ouh, une étendue sauvage en évolution. Parce que résultat, bah. Alors, sacrifier les étendues sauvages, chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base. Mélanger. Ensuite, votre bibliothèque. C'est bien pour les bicolores, ça. Sable verdoyant. Comment on fait pour quitter? Comment on fait pour supprimer? Et donc là... Standard. Est-ce que j'ai 60 cartes? Pourquoi j'ai des cartes bleues? Vous avez une quête? Terminez-la pour remporter une récompense. Oh, tais-toi. Bon, on réessaye. Cette fois-ci, on fait pas de bêtises. Hop, allez. Ah, c'est rapide, il faut y dire une merde. Hop. Le souci, c'est que j'ai pas eu d'araignée pour bloquer les volants. On va plutôt défoncer les ratifoïdiens. Bah non, pas d'attaque. Pas d'attaque. Lui, c'est chaque fois qu'une créature j'ai pas de blocage. Hop, allez, un petit chasseur, pas d'attaque avec ça. C'est si j'ai perdu les points de vie. Non, on peut la garder pour l'autre ratifoïdien qu'elle a. Voilà. Ça se passe mieux. Faut juste que je garde pour tuer les ratifoïdiens, ça marche. Ah, les vampires sans chien aussi. Du coup, lui devient plus 2. Il risque de perdre. Ouais, mais il faut en vision. Ah voilà les ratifoïdiens. Ah, ça fait mal.
réfléchissons. Là, j'ai 6 mana. Quand tu arrives sur ton terrain, vous pouvez faire se battre contre une créature que je ne contrôle pas. Je vais pouvoir détruire de la valeur sauvage. Lui, c'est quand il tue une créature. Ok, pas d'attaque ce tour-ci. C'est une 5-5. Ah oui, je peux pas... Je ne peux rien bloquer, donc ça, je perdrai 6. Oh non! Vas-y, qu'est-ce que... Bah en plus, c'est grossier. Hop. Voilà. Ça va être très très chaud. Ah bah non, j'ai perdu là en fait. Oh. Le jeu est 1000 fois trop fort. Ok. J'avais même pas vu que vous étiez revenu. Ouais, alors... Je... Ça fait deux fois que j'essaye de battre Lyanna sur le défi des couleurs, mais cette fois-ci elle m'a moins massacré que la dernière fois. Mais bon, me voilà fort contrit. Comment dire ? Tic. Si je prends une extension. Mais non, pas en vrai. Ouh, utiliser du vrai argent pour ça, hors de question. Ah, c'est 500 pièces d'or et un booster, c'est 1000 pièces d'or. Oh ! Mais quelle horreur ! Bon, en tout cas, je suis très mauvais. Stop. Vingt boosters d'offert. Ah bon? Non, tu vois, j'ai aucun booster. Faut que je finisse. J'ai aucun booster d'offert. Faut peut-être que je finisse d'abord le défi des couleurs. Wow. Mais pour l'instant, j'ai aucun booster de fer. Mais non, c'est pas Pharaon, c'est Magic. 3 par extension? Bah ouais, non, j'en ai pas. Comme on dit chez nous, là, y a rien. Rentrer un code. Vous avez une quête? Terminez-la pour remporter une récompense. Bah écoute, j'ai rien là. On verra. Je pense qu'il faut que je finisse rentrer un code dans la boutique. Si je suis dans la boutique, ce serait mieux déjà. À échanger un code. Mais j'ai pas de code. Moi, pas rien à avoir des codes. Moi, y a pas de code. Oh, comment tu flicker? Ouais. Bref. Alors, d'accord, tu m'as envoyé le code. Bon.
toute façon, j'en suis pas là, j'essaie de finir ce... Le... Ah, j'arrive pas, hein, le menu, j'arrive pas. Wow. Je vais essayer d'affronter Liliana encore, ce samedi. Je pense que samedi, ça va être moi contre Liliana. En 1 contre 1, hein, voilà. Non, pas comme ça. Mais bon, je suis un peu deg, là, ça fait deux fois et deux fois que je me fais avoir par le vampire Sitigien, là. Sigien? Sangien? Sans toi. Saleté. Bien, me montre les codes. Ben, je regarderai ça avec intérêt. Voilà. Donc du coup, ouais, en fait, vous êtes arrivés tous les deux un peu après, mais l'idée, c'est qu'à la base, je voulais jouer à Minecraft, parce que c'était le follower goal. Le problème, c'est que il n'est... mon logiciel de capture ne prend pas Minecraft, il refuse de prendre Minecraft. C'est un problème connu, apparemment. J'ai fait 2-3 recherches, vu que ça marchait pas. Et du coup, bah, Minecraft, ce sera mercredi la semaine prochaine. Là, samedi, ce sera donc... je vais revenir sur Magic. Parce que maintenant, Magic va remplacer Kerbal Space Program. Et... ouais, Minecraft de l'enfer. En plus, je me suis fait chier ce matin à le modder, à installer Optifine, installer Forge. Bref, j'ai passé une heure et demie. Et du coup, voilà. Donc, Magic remplace Kerbal Space Program donc, sur les petits créneaux d'une heure. Et mercredi prochain, je continuerai probablement Assassin's Creed jusqu'à ce que je sois à la fin. Demain, je ne stream pas. Mercredi, vendredi, je stream à partir de 14h de nouveau sur Assassin's Creed. Et voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Donc, je reste dégoûté par cette double défaite face à Liliana. Quel mode ? Alors, j'ai mis un mode pour que les araignées se comportent comme des araignées. C'est-à-dire qu'elles escaladent comme ça les murs et pas comme ça. J'ai mis quoi ? J'ai mis donc Optifine. J'ai mis... bon, pas fini. Je sais plus. Si, j'ai mis un mode qui permet de faire des ponts en bois... des ponts de cordes, pardon, et un mode qui permet d'avoir des toits, genre des vrais toits. Pas les trucs en escalier. Voilà, voilà. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que bah, ma femme est rentrée, comme vous avez pu voir. Vous avez et... une quête ? Oui, je sais que j'ai une quête, une Madame Tuto, ça suffit. Venez ici quand vous voudrez faire une partie. D'accord, donc en fait, il me manque 500 PX pour obtenir un booster gratuit. Le jeu a pas l'air très généreux, hein. Donc voilà, faut que je maîtrise d'abord les 5 couleurs de Magic pour améliorer mes decks et déjà débloquer mes decks. Ok. Si, si, il y a une comptable sauvage qui est passée, tout à fait. Donc voilà, on vient de faire le tuto de Magic et le début du défi des couleurs. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis du coup à vendredi 14h pour continuer notre saga avec les assassins d'Ikea. Dixit Michel Lepingre, oui. Tu trouves que le jeu est généreux ? Ah, pour un jeu, alors autant, je suis d'accord, hein. Au moins t'as des... t'as un ou deux boosters par jour. Ah oui, non, d'accord, effectivement, oui, le jeu est généreux. Ok, autant pour moi, le jeu est généreux. C'est juste moi qui suis nul. Ok, j'admets. Le plus généreux du marché, à ce point-là. Ok, donc c'est moi qui suis nul. Très bien, j'admets, j'admets. Pas taper. Mais en tout cas, c'est plutôt fun. C'est pas pareil que de jouer en vrai avec des vrais gens, hein, évidemment. Mais c'est plutôt fun.